Bonjour, je m'appelle Alexandre Béziot, donc j'ai réalisé une greffe de cheveux chez Air of Istanbul, donc j'ai 27 ans. Donc j'ai connu en fait la greffe de cheveux tout d'abord à Paris, chez DHI. Mais malheureusement ça s'est pas si bien déroulé que ça, puisque j'étais pas en fait en phase avec le résultat entre guillemets. Du coup j'ai voulu en refaire une, mais j'avais plus trop confiance en fait au résultat et en suivi, parce que j'ai pas eu tellement de suivi entre guillemets. Par la suite, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, découvert plusieurs cliniques et j'ai fait mon choix par rapport aux résultats, par rapport au compte Instagram. Je suis arrivé donc, j'ai contacté directement avec WhatsApp. C'est un monsieur qui m'a... La chance que j'ai eue, c'est que du premier jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été suivi. Dès que j'avais une question, que ce soit n'importe quelle heure, n'importe quel moment, on m'a toujours répondu, on ne m'a jamais laissé sans réponse. J'ai demandé quel type de shampoing utiliser, toutes les questions, je pense que j'ai dû en poser même peut-être une cinquantaine ou une soixantaine. Il a toujours répondu, il y a un vrai suivi et puis... Ah oui, je suis très content. Aujourd'hui, quand on regarde les différents avis sur les réseaux, les vidéos, il y a beaucoup de gens, même quand vous mettez @airofistanbul, j'ai reçu peut-être une cinquantaine de demandes pour me demander justement les résultats. Aujourd'hui, au niveau des résultats, c'est surtout la première personne qui m'en a parlé, en tout cas c'était mon coiffeur, qui m'avait dit qu'il avait trouvé ça hyper naturel. Mes parents, c'est pareil. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « ouais, vous avez effectué une greffe de cheveux, franchement c'est hyper naturel ». De toute façon, après, ce qu'il faut, c'est aussi se lancer. Il y a beaucoup de gens qui viennent m'en parler, ils ont peur, ils appréhendent. Mais de toute façon, ça sert à rien d'avoir peur. Si vous avez un complexe, je pense qu'il faut le régler. Et moi, c'est un complexe que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Donc franchement, je suis super content. C'est, je pense, la meilleure adresse pour effectuer sa greffe de cheveux. Je conseille complètement aujourd'hui. Il faut savoir, c'est qu'en France, vous implantez un cheveu, c'est 1 euro à peu près, si j'ai bien compris le principe. Là, ils ne posent pas de questions, c'est vraiment, s'il y a des parties vides ou quoi que ce soit, ils vont les compléter, ils ne vont pas dire, voilà, je vous rajoute tel centime. C'est vraiment, il n'y a pas qu'une question de prix, il y a le résultat aussi. Quand vous regardez les résultats, la différence des résultats entre la France et la Turquie, je suis le premier à en témoigner aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trouver mieux qu'en Turquie, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes cliniques et Air of Istanbul, ils en font partie en tout cas, ça c'est clair. Ouais, j'ai eu peur, ouais. J'ai eu un petit peu peur franchement, parce que on appréhende toujours, on se dit ah, je vais faire confiance, je connais pas la langue. Moi j'ai été accueilli par quelqu'un en plus qui parlait français, donc tout de suite déjà ça vous rassure. Et c'est ce que je dis, moi aujourd'hui je suis dans le commerce, je vends des voitures et j'ai pris une leçon de commerce à cause de ce monsieur qui est en face de moi. Donc voilà, en plus vous pouvez venir avec une personne qui vous accompagne. Donc tout ça, ça vous rassure. Opéré, j'y vais avec le sourire, donc je trouve que c'est une bonne expérience en tout cas, il faut le faire, faut pas attendre.